Salut à toutes et à tous les amis, c'est Néo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du système des chapitres de Spellbreak et en particulier donc du chapitre qui a été lancé hier sur le jeu qui s'intitule donc le prologue. La tempête se prépare. Donc le chapitre se déroule sur 25 niveaux de récompense et est complètement gratuit. Au bout d'un certain nombre de points d'expérience, en fait, vous montez de niveau. Vous obtenez des points d'expérience en jouant simplement, mais également en accomplissant des quêtes. On avait déjà des quêtes qui étaient présentes dans le jeu avant, mais maintenant les quêtes sont divisées en deux parties. Vous avez les quêtes d'honneur qui correspondent à l'expérience du pass de saison. Vous avez également les quêtes quotidiennes qui là vous donnent de l'expérience de mage. Donc c'est l'expérience de votre niveau qui vous permet de monter en niveau de mage. Donc on se concentre sur les quêtes d'honneur, on peut voir que là par exemple j'en ai 3, c'est Chou Bouillant qui demande d'infliger 100 points de dégâts avec un mur de feu. Si je réussis à faire ces 100 points de dégâts, j'obtiendrai 7500 points d'expérience dans le prologue et donc je passerai niveau 2. Si j'utilise la compétence Luciole 15 fois, je gagnerai également 5000 points d'expérience d'honneur pour le prologue. Et si je fais la quête Feu du Dragon, j'infligerai des dégâts, donc je dois infliger des dégâts de feu et de poison combinés cette fois-ci pour, donc en fait, faut faire une finalement une, comment dirais-je, une fusion de capacités pour gagner 2500 points. On a maintenant un aperçu global sur quand on lance en fait un match, avant de lancer le match, de ce qu'on a en cours. Que ce soit les quêtes qu'on a pour le prologue, mais également les quêtes qu'on a générales qui sont représentées, elles, par un coffre. Et donc dans ce chapitre, on a, au niveau 2, la tenue du chasseur. Au niveau 3, nous avons 500 d'or. Au niveau 4, nous avons un emote faire signe. Au niveau 5, on a le titre Néophyte Brise Serment. Au niveau 6, nous avons le briseur de coffre, c'est un badge. Au niveau 7, nous avons la tenue délicatesse. Au niveau 8, nous avons 50 gold. Au niveau 9, vous avez la chute de traînée, là, spirale de jade. Au niveau 10, vous avez la post-luminescence noble rage. Au niveau 11, le titre acolyte brise serment. Au niveau 12, l'emote. Mais bien sûr, au niveau 13, vous avez 50 gold. Au niveau 14, vous avez la rage toxique en post-luminescence. Au niveau 15, un skin de dueliste. Au niveau 16, 50 gold. Au niveau 17, le titre épique adepte brise serment. Au niveau 18, prodige du gantelet en badge. Au niveau 19, 50 d'or. Au niveau 20, lueur du crépuscule en skin. Au niveau 21, ascension vespérale. En post-luminescence à nouveau. Au niveau 22, vous avez une superbe carte, prévision ancestrale. Au niveau 23, une traînée céleste flamboiement de ver de mer. Au niveau 24, 50 d'or. Et au niveau 25, sentinelle aux aguets. Voici donc le contenu de ce prologue. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite bon jeu.